Bonjour, Lionel Dingian, directeur général de Mailboxes, etc. Nous allons participer au salon Franchise Expo 2017. Ça fait maintenant quelques années que nous participons à ce salon. C'est l'événement majeur aujourd'hui de la franchise et l'événement majeur pour notre réseau en termes de développement de nouveaux franchisés sur toute la France. Le salon Franchise Expo, l'année dernière, nous a amené à peu près 200 contacts sur le salon. Donc d'année en année, on progresse, on a de plus en plus de candidats et de plus en plus de franchisés qui viennent du salon de la franchise. Donc c'est pour nous effectivement un événement incontournable en termes de franchise sur cette année 2017 que nous allons reconduire. Pour nous, Franchise Expo Paris a plusieurs avantages. Premièrement, on reçoit un certain nombre de candidats qui sont motivés, qui arrivent avec des vrais projets de franchise. On reçoit beaucoup de candidats également étrangers, donc qui peuvent nous aider dans le développement international de notre réseau. Ça nous permet également de recevoir nos franchisés, de recevoir les gens et les membres du groupe Mailboxes, etc. de différents pays qui viennent voir ce salon en France, qui est considéré comme l'un des plus gros salons au monde. Depuis 3 ans, nous organisons également pour le Franchise Expo Paris le Business Center, donc un Business Center qui est à disposition de l'ensemble des exposants, aussi bien pour de la partie graphisme, impression, mais également pour de l'expédition. C'est un service qui est apporté en plus à l'ensemble des exposants et qui est très apprécié des exposants étrangers. Le modèle de la franchise est un modèle vertueux pour les deux parties, aussi bien le franchiseur que le franchisé. Le franchiseur, car il fait appel à des franchisés et des chefs d'entreprise indépendants, motivés, qui ont envie de s'investir et de s'impliquer dans le développement de leur business. C'est un modèle qu'on dit souvent gagnant-gagnant et c'est l'intérêt d'avoir aujourd'hui franchisé et franchiseur. Et c'est le modèle que nous avons choisi aujourd'hui pour développer notre réseau, puisque le franchisé est actuellement au cœur de notre modèle et au cœur du système. Donc on s'appuie sur les franchisés. Un réseau de franchise ne peut fonctionner que grâce aux hommes et aux femmes qui le composent. Cette année, nous participons à l'opération Entreprendre en franchise, comme l'année dernière. C'est une opération qui est intéressante puisque ça permet aux candidats franchisés d'aller à la rencontre de franchisés existants. Donc nous ouvrons les portes de nos différents magasins en fonction des points qui sont organisés sur toute la France. Et ça nous permet d'avoir un vrai échange constructif entre franchisés qui sont passés par ce statut de candidat et de création d'entreprise et des nouveaux candidats qui ont envie de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat en franchise.